Avez-vous déjà eu un voisin très bizarre qui parle? J'en ai pas la moindre idée. What? Oui. Alors comment on peut faire pour rentrer dans cette putain de maison? C'est chaud, non? Bon écoutez, je propose qu'on fasse la méthode gentille, genre on va toquer. Ça signifie quoi au juste? Ok. Je suis dedans là? Je suis pas déjà dedans. C'est quoi cette maison bizarre? C'est l'entrée, elle est grande ouverte, c'est quand même bizarre. Ouais, en effet, c'est un gros problème. Alors mon pote, il regarde la télé, il est là. Il a bien une gueule de mec chelou. Ok, j'ai sonné et on va se barrer, on va trouver une autre entrée, mec. Ne sois pas si sûr de toi. Prends des objets avec F, j'ai pris une tomate, mec. Il est revenu devant la télé, il s'est calmé? Ouais, il s'est calmé. Je peux lancer ça là? Nope. Merde. Non, il est vraiment trop bête. Mec, t'es fou. Pourquoi tu mets des pièges à l'eau dans ton jardin? Mais espèce de... T'as fils de pute, je vais t'enculer. Je t'encule. Oh. Doucement, t'as pas besoin de t'énerver comme ça, hein? C'est le moment. Je suis bloqué. Putain, la porte dehors est ouverte, je peux me barrer par là, c'est cool. Ah, par contre, là, je suis bloqué en. Non. Ça devient grave, mais très grave. Il a un gun? Non, j'ai rêvé. Je suis prêt à lancer tomate, mon pote, fais gaffe à ce que tu fais. Il va venir revenir par là et moi je vais repasser par l'autre côté. Mon colonel, je peux vous jurer qu'il ne touchera pas un seul centime. Peggy 18. Faudrait juste qu'on trouve un début, une piste par où aller. Ah putain, maintenant c'est la nuit qui va commencer à tomber. Bah tranquille, tranquille, là on est dans la rue, tu fais rien du tout. Hein. Moi je te lance une tomate dans ta gueule, sale bâtard. Hein. Ah mec, je m'en fous, je veux savoir ce qu'il y a dans ce sous-sol, je m'en bats les camps, mes frères. Aïe, c'est quoi ça? C'est un piège jaloux, mais mec. Holy shit! Holy shit! Et je prends la bouteille. Ah ok, en fait, plus on essaye, plus il met des pièges, des caméras et tout. D'accord, il s'adapte vraiment à ce qu'on fait en fait le gars. C'est totalement fou, mais c'est vrai. Il a mis un digicode et tout. Non mais le gars il... Non mec, je suis dans la rue. Ah, je vais chez moi. Agression là, tu m'agresses là. What the fuck, il lance des tomates. Ah ça c'est nouveau. C'est parti. Putain, faut pas lui laisser le temps de s'adapter, sinon il met 10 000 pièges ours tout et ça devient la merde. Alors, donc il a pas encore mis de pièges ours, c'est pas de caméra. Il est toujours devant, il a rien vu le con. Donc on va rentrer. Ok, yes, on a réussi à pétrir dans une nouvelle pièce, d'accord. C'est quoi, c'est le garage? Bon, y'a rien d'anormal. Non, tu crois, franchement? Ça, c'est une autre pièce inutile avec plein d'ampoules. Je suis sûr que les ampoules vont nous servir, on va en prendre une. On va arriver dans une pièce où on sera dans le noir, il nous faudra une ampoule, c'est sûr. Ok. Wow! Fils de pute, putain. Il commence sérieusement à m'énerver, celui-là. Ouvre-toi! Oui! Mon petit poney, ton aventure nous ravit. Mon petit poney,